Alors, on se retrouve pour une quatrième vidéo. Alors, maintenant, on est dans un endroit. Espèce de tour. Et il va falloir que l'on trouve deux figurines, 30 pièces, deux orbes bleus, 7 pièces. Et le tableau, on l'a déjà trouvé. Parce que quand on était dans le niveau d'avant, on est passé dans celui-ci vite fait pour récupérer un tableau. Donc on arrive d'ici. Ici on a une statue avec un code. Là il y aura un passage. Ici on va pouvoir faire des choses. Là il faut deux leviers. Là pour l'instant on peut pas monter. Là ça va aller avec ça. Là il y a une porte. Mais on n'y a pas accès pour l'instant. Encore là, ça sera la porte de sortie pour le prochain niveau. Voilà deux pièces. Sur cette table, il y a un interrupteur qu'on ne peut pas encore actionner. Ah, je vois des choses là-haut. Une autre ici. Là, il n'y a rien. Rien, rien. Rien. Il n'y en a que deux. Ok, on continue notre tournée. Ici, il y a quelque chose. Une photo. Alors, par où on commence? Par ces choses-là. Par l'interrupteur. Donc au sol, il faut remarquer qu'il y a des choses. Et ça, c'est comme un aiguillage en fait, c'est pour nous dire par où ça passe. Donc on suit un peu l'aiguillage, voir ce qui se passe. Donc l'interrupteur, ça va être le début, ça va nous donner une impulsion. Après, il faut s'arranger pour que ça continue jusqu'à l'un des deux trucs bleus, je sais pas ce que c'est. Donc là-bas, ça part d'ici. Là, ici. Donc le premier aiguillage, on va le tourner. Voilà. Ensuite, ici, ici, ici. Cet aiguillage-là, il faut le mettre à droite. Et enfin, on arrive à l'interrupteur. Donc normalement, si on appuie sur l'interrupteur, celui-là devrait s'activer. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ah, il y a une des formes que l'on a vue là-haut. Donc il y a celle-là, l'espèce de N avec un O. Et ça, c'est le signe de la balance. Donc on va essayer l'un des deux. Là, c'est plutôt le N avec le O qui est commencé, donc on va faire ça. Ça fait quelque chose? Non. Et quoi faire l'autre? Ah, ça fonctionne. On récupère un levier. Très bien. On avait remarqué ici, il faudra des leviers. Donc maintenant, on va faire le deuxième sur le même principe. Donc on voit le trait là. Et donc là, il faut tourner l'aiguillage pour que ça aille dessus. Voilà. Par là, c'est une fausse piste. Ça arrive ici, il n'y a rien. Et avant, le départ, c'était par ici. Ici. Cet aiguillage-là, il faut qu'il vienne par là. Donc si on va de ce côté-là, ça retourne par ici. Donc nous, on veut aller ici.
Là encore, il faut tourner celui-là. Et maintenant, ça devrait être bon pour l'interrupteur. On va faire la seconde forme, celle en forme de NO. Deuxième levier. Donc on va pouvoir les placer ici. Ici. Je la baisse tout de suite, comme ça j'aurai pas besoin de revenir. Deuxième levier. Ça nous débloque un escalier pour aller à l'étage. Qu'il y avait autre chose ici. Donc cette porte là elle est bloquée par un code. Ah, serveur hors ligne. Celle-ci c'est la porte pour partir, donc là il n'y avait rien. Et puis j'ai dit quoi, ici il faut un code. Un code à combien de chiffres? Ah, plutôt des lettres, 6 lettres. Et là il faudra mettre un objet de forme hexagonale. Donc on n'a plus qu'à monter. Alors ici on arrive par cet escalier. Un petit mot avec des dessins. Il faut noter ces dessins. Oui, est-ce que je les ai encore sous la main? Quelque part là, c'est bien. Donc c'est déjà noté. Ici, il faut remarquer qu'il y aura quelque chose à faire. Pour l'instant, on peut pas. Qu'est-ce qu'elles veulent, les petites boules bleues? Qu'est-ce qu'on a ici? Un coffre. On n'a pas la clé. Là, on a des choses, des jauges, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Pour l'instant, on n'a pas d'informations. Ici, ça a un rapport avec ce qu'on a trouvé juste à l'instant sur le papier. Alors, on va regarder. Non, on va faire finir le tour de la pièce pour voir ce qui s'y trouve. Ici, un coffre. Une seule pièce. Waouh, trop généreux. Ici. Ça sera la forme pour aller en bas, mais on n'y a pas accès pour l'instant. Ça pourra nous servir à la fin. Ça. C'est bloqué. Est-ce qu'on a d'autres choses à voir? Est-ce qu'il y a des têtes? Est-ce qu'il y a des pièces cachées? La porte, on ira après. Là, il n'y a rien. Tiroir, non plus. Alors, on va reprendre ça. Le premier schéma qui fait ça, ça et ça. Ah ouais, mais non, je pourrais pas encore le faire. J'ai pas tous les indices. Il y a un rapport avec ça. Donc là, il y en a 7, là, il y en a 3, là, il y en a 5 et là, il y en a 1. Mais on n'a pas encore tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer, donc on va changer de pièce. Ok, on arrive de la porte qui est ouverte. Est-ce qu'il y a des choses ici? Non.
sur cette tablette, rien sur le bureau. Le bouquin? Non. Le journal du 12 février 96. Cela fait maintenant 6 mois que le château est vide et la présence de Clémentine me manque. Son attitude inquisitrice était une source d'inspiration. Je suis néanmoins un vieil égoïste et je reconnais que c'est surtout son étrange connexion avec les yeux qui me manque. Que pouvait-il lui trouver de si fascinant? Leur intérêt pour moi a grandi au fil des années que j'ai passées ici, mais il semble bien passif en comparaison. Comme si je n'étais qu'une simple curiosité ou juste un fragment d'un immense puzzle qui dépasse ma compréhension. Clémentine était spéciale, je dois comprendre pourquoi. Heureusement, j'ai désormais tout mon temps pour cela. Le château a retrouvé sa quiétude en dehors de mes amis toujours attentifs. Alors qu'ils étaient avant... Alors qu'ils s'étaient avant montrés fuyants et capricieux lors de mes tentatives pour les étudier, ils sont maintenant des sujets bien plus coopératifs. Certains se sont même laissés examiner et inspecter à la main. Ce sont des créatures fascinantes, composées d'une sorte de matériau métallique et alimentées par une source d'énergie interne que je n'arrive pas à comprendre. Si seulement je pouvais trouver un moyen d'ouvrir l'un d'entre eux, me laisserait-il les décortiquer? Risquerait-il de se fâcher? Quelle est la limite de leur sentience? De leur... Attends, il y a un problème là. De leur sentience? Je sais pas ce que ça veut dire. Ne sont-ils que des drones décérébrés programmés par une intelligence inconnue pour effectuer je ne sais quelle tâche secrète? Que pourrait être cette tâche? J'ai tant de questions et je commence à me méfier. Je finirai bien par découvrir la véritable nature de ces engins. D'où viennent-ils et dans quel but? Je ne suis sûre que d'une chose, ma raison d'être est de dévoiler ce mystère. Ok, qu'est-ce qu'on voit là? Alors, on voit une oscillation avec une amplitude de 1, 2 et demi et une phase de... C'est dur à compter ça. À partir de là. 1, 2. Pour le deuxième, une amplitude de 2. Et une phase de 6. Et le troisième, une amplitude de 1. Et une phase de 1, 2, 3, 4. Tout ce qu'on a ici. Là, on a un ordinateur. Ok. Bon, d'accord. Les pièces. Alors, ça fonctionne, ça? Non. Il n'y a pas de courant encore dedans. Alors, comment on alimente ça? Ah, ça va être par là. Hors ligne. Donc on va changer de pièce. On vient de par là, qu'on est dans une espèce de galerie. On vient de par là, je pense.
Alors, il n'y a rien sur ce bureau. Auriga le cocher et Léo le lion. Orion le chasseur, Draco le dragon. Orion, on avait déjà vu. Poubelle, rien. Ok. Petite boîte avec une clé, tiens. Ah, et ça, c'est quoi? Alors, ça semble aux jauges qu'il y avait tout à l'heure dans la première pièce. Donc, en bas, c'est 0, 2, 4, 6. Non, le 6, il est là. Le 0 est là, alors. 2, 4, 6, 8, 10, 12, et tout en haut, c'est 14. Et on nous explique que 5 noirs plus 3 blancs, ça fait 2. Donc, les noirs, c'est du plus. Et les blancs, c'est du moins. Ok. Je vais finir de regarder la galerie. Et après, j'irai voir. Ok, il y a un truc là. Toujours un truc ici. Ah, une photo. Putain, il faut, ils sont bien planqués, franchement. Alors, lui, il nous raconte quoi? Pareil que les autres. Et au bout. Ouais. Ok. Alors si je crois que je viens de par là. Et la porte ici. Donc la clé, c'est pour là. Ouais. Ça sert à quoi cet interrupteur? Je sais pas. Et les jauges, on a vu que ça c'était 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On a vu ce dessin-là. Tac, tac, tac. Faut repérer aussi les autres. Celui-là, celui-là, celui-là. On va partir par celui-là. Commencer par celui-là. Qui est là? Donc on a dit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc quand c'est noir, on ajoute. Quand c'est blanc, on retrait. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moins 3, ça fait 4. Plus 5, 9. Plus 1, 10. Donc là, on a 10 en premier. On va mettre 10 ici. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Donc on a jusque-là. Ok. Le second. Celui-là, une espèce de N. Sur mon plan, c'est celui-là. Donc ça fait 7 moins 3, ça fait 4. Moins 6. 4 moins 6, ça fait moins 2. Et on rajoute 5, ça fait 3. Donc 3, ça fait la moitié.
Ici. 0, 2, 4. Et le dernier. Il fait ça, 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 ça. Donc c'est moins 1. Non, ça c'est plus. Donc c'est rempli. Donc 1 plus 4, ça fait 5. 5 moins 6, ça fait moins 1. Moins 1 plus... c'est quoi ce dessin? 5 moins 1. Moins 1 plus 7, ça fait 6. Deux, quatre, six. Et là, on peut appuyer sur l'interrupteur. Et ça nous ouvre ça. On récupère la forme. Est-ce que j'y vais tout de suite? Bah ouais. On va la mettre là. On peut descendre. Donc on arrive par là. Ah, une image ici. On n'a pas accès pour l'instant. Ah, quelque chose ici. Quoi? Un code. Un bout de levier. Disque de démarrage. Ben, je l'ai pas. Non, je l'ai toujours pas. Non, je voulais pas descendre. Pas de montrer mon temps. On fera ça après. Alors, je voulais regarder ça. Si tu veux que je fasse là. C'est joli, mais je sais pas quoi faire. Alors, il y a des dalles au plafond. Alors, on va faire partir celle-là en direction du mur, par ici. Ensuite, celle-là, elle est dans le bon sens, on peut pas y toucher. Celle-là, elle va aller là-haut. Donc on la tourne vers le haut. Comme ça c'est... Non, c'était bien. Vers le haut. Ok. Après on continue. On arrive ici. Celle-là, il faudra qu'elle aille par là. Parce qu'il n'y en a pas d'autres de toute façon. Ok. Celle-là. On va aller là. Qu'on la tourne. Celle-là vers le haut, c'est facile. Celle d'à côté, par contre. Par là. À gauche. Vers le haut. Ça doit être bon, oui. Celle-là, on va la faire descendre. Celle-ci, il faudra qu'elle aille par là. Celle-là par là. Vers le haut. Celle-ci par là.
Celle-là va où? Ah, non, non. Ah non. Celle-là. Merde, je sais pas où elle va, elle. Celle qui est là. Ça va au bout. Celle-là. Voilà. Celle d'après. Jusque-là. Donc on a dit par ici. Celle-là, ça va être à l'avant-dernière. Elle descend. Et hop, on a la photo. Va se mériter celle-là. Alors, pour ici, je crois qu'on a tout vu. On va pouvoir passer dans la pièce d'à côté. Alors, ici, c'est l'endroit où on était. Si vous vous rappelez bien, quand on était dans la grande pièce avec les rayons bleus. On avait trouvé un passage secret, on était arrivé par ici, on avait récupéré un tableau et actionné un levier pour ouvrir ici. On va pouvoir y accéder maintenant. Là, il y a plein de pièces. On va avoir un succès. Ça, c'est verrouillé aussi. Un levier ici. Ça, c'est bloqué. Là, ça sera pour mettre les leviers. Ok. Là, il y a un indice. Alors ici, un levier. Ah. Ça, faut le remarquer, hein, c'est pas facile. Ça me fait penser qu'il y en a peut-être d'autres ailleurs que j'ai oublié. Un bout de levier, yes. Je vais avoir mes trois leviers. Là, il y a des choses à tirer. Je sais pas trop ce que ça ouvre, mais... Ah, c'est la porte. Donc ici, il faudra mettre nos orbes jaunes pour récupérer un orbe bleu. Alors, on a nos trois leviers, on peut les mettre. Comment on les actionne? On a un petit indice ici. Ça veut dire qu'on met le deuxième en bas, le premier en haut, le troisième en bas, le premier en haut, le troisième en haut et le premier en haut. Est-ce que je l'ai gardé quelque part, ça? Je vais chercher.
Là. Non. On va le renoter. En haut et en bas. Alors, on a dit on commence par le deuxième en bas. Le premier en bas, le troisième en bas. Le premier en haut. Le troisième en haut. Et le premier en bas. Ça nous ouvre ce coffre. Et on a quoi? La disquette de démarrage. Ok. Pour ici. Il n'y a pas d'autre là. Je crois pas. Dans les murs. Peut-être des choses dans les murs. Non. Je crois pas. On va remonter. Alors, j'ai la disquette de démarrage. Bienvenue. Journal de démarrage, initialisation de serveur, imprimante, une tâche en attente. En bas, on va imprimer. Ah non, ça c'est le journal de démarrage. Ouais, on s'en fiche. Je vais imprimer. Ah, d'abord initialisation. Terminal 1, 2, 3 hors ligne, échec de l'initialisation. Imprimer. Oh là là, la vieille imprimante. Y'a rien là? Non. Alors, on récupère un petit bout de papier. L'imprimante, elle imprime ça. Les trous. Waouh. Elle est forte. Je crois que ça peut avec ça. On va les mettre ensemble. Et là, on a des choses. Qu'est-ce qu'on a? Parce que là, par exemple, on a ce truc-là. Il est là. C'est la même chose. 8-1-7-6-8. Yes. À côté, ça fait une espèce de cible. Il est là. 3, 9, 7, 8, 3. 3, 9, 7, 8, 3. Et le dernier avec un trident. Il n'y en a pas. Là, il en manque un. On va faire comme si c'était celui-là. 2, 4, 1, 9, 5. Oui, je suis trompée, c'est pour ça que je voulais faire. 2, 4, 1, 9, 5. On a redémarré ces trois ordinateurs. Donc maintenant, on peut peut-être relancer l'initialisation. Ok. Serveur en ligne, on fait quoi? Quelque chose à faire avec? Non. Ça, c'est quoi? On peut regarder. On peut pas y aller. Il
Comment on pourrait faire pour y aller? Ah, je crois que j'y suis là. Il n'y a plus de flèche. Là, je dois être là. C'est quoi ça? Il se passait quelque chose là? Par là? Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça. On a plus le... Okay. Alors, ça, c'est très compliqué. J'ai mis 1 heure et demie l'autre fois à le faire. Il faut refaire l'image, mais ça bouge deux par deux. Alors l'astuce pour moi, si je comprends bien, c'est de mettre celui-là avec celui-là dans le bon sens et celui-là avec celui-là dans le bon sens, parce qu'après il bouge deux par deux. Mais celui-là, il bouge avec celui-là. Celui-là, il bouge avec celui-là. J'espère que je vais pas mettre aussi longtemps que la dernière fois. Celui du milieu, il est fixe. Après, celui-là, il est comme ça. Il faut que ce soit au millimètre, hein, sinon ça marche pas. Bien sûr. Ça bouge aussi tout ça. Waouh. Ça va être rigolo. Encore une fois. Là, il est un peu trop décalé celui-là. Je pense que je vais couper au montage, hein. Vous verrez que le résultat. Celui-là, il est plus long. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette cave. J'ai mis 3 heures pour venir. Une porte fermée. Une porte ouverte. Je crois pas que j'y suis déjà allée, j'avais pas trouvé ça l'autre fois. Raccourci, c'est quoi? Y a rien ici. Waouh. Ainsi, des petites pièces là. C'est un raccourci pour aller ici, d'accord. Non, je l'avais pas vu avant ça. Ok. Ah, il y a des choses au plafond. Mettre ça comme ça.
Ça ouvre le passage de l'autre côté. D'accord. Il y a d'autres choses au plafond? À choper ou pas? On pourra revenir s'il y a autre chose qu'on n'a pas vu. Qu'on a ouvert ici. Ça brille là. Une figurine. Oh, c'est marrant, ça fait des. C'est la première. Et par ici, il y a quoi? On retombe au début. Tout début, début, début. D'accord. Il y a des têtes quelque part, des trucs au plafond. Je crois que c'est tout. Je crois qu'il y avait une tête par là, non? J'ai rien vu. Tête. Alors, on peut remonter. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je suis perdue. On va repartir. Qu'on a mis l'ordinateur en route. Donc là, il faut un code à 4 chiffres. Je sais pas. Là-haut, il y avait ça. Ça. L'ordinateur a été verrouillé, ça c'était fermé. Il y a une porte qu'on n'a pas été voir. Ah si, c'était la galerie. Mais de l'autre côté de la galerie, il y a quoi? Alors, est-ce qu'il y a une pierre pareille que de l'autre côté? Bah oui, il y en a partout des pierres. Une photo. Alors en bas, c'est de là qu'on vient ou pas? Ah, en bas, c'était le passage secret de tout à l'heure. Il y a des pièces. Est-ce qu'on a des choses sur le mur? Un interrupteur, on appuie dessus, hein, toujours. Wow, ça fait pas de bruit, ça. Très discret, ça. C'est bloqué.
de petits mots. On va remonter. J'arrive de par là. Je vais voir là-haut si j'y suis. Ah, une photo là. Pas de pire qui dépasse, ça c'est quoi? Un dragon. Ok. Le dragon, et on avait une forme de dragon sur un bouquin dans la galerie. Draco, c'est le dragon, donc c'est ce truc là. Par là. Alors, dragon, ça ressemble à quoi? Non. Non. Je peux pas reculer un peu. Non. Ça peut être ça le dragon. Donc maintenant il faut bouger le fond pour que les étoiles correspondent. Là c'est bon. Ici ça c'est bon. Là ça va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça en descend, voilà. Là c'est bon ou c'est pas bon? Là c'était bon. Ça fait quoi? Qu'est-ce qu'on obtient? Non. Ah! Ça a lancé quelque chose. Là, on voit du vert. Par là. Par là. Vert. C'est l'ordinateur. Journal des recherches. Contrôle de l'oscilloscope. Connexion. Maintenant l'oscilloscope il fonctionne. Donc on avait dit ça. 1, 2, 2 et demi. Et là, 1, 2. Donc il faut régler l'oscilloscope pour avoir ce qu'on a sur le tableau. 1, 2 et demi. Donc il faut mettre une amplitude un peu plus grande. Jusqu'à la moitié à peu près. Et la fréquence. Ça bouge trop vite. On a dit... On voit que là il commence à se passer quelque chose, donc on va essayer d'ajuster les choses un tout petit peu. Voilà, le premier c'est bon. Le deuxième, 1, 2 en hauteur et 1, 2, 3, 4, 5, 6.
En largeur. De hauteur, donc on diminue celui-là. 6, donc ça, faut que ça soit plus grand. Que ça commence à être bon. Peut-être que ça, c'est pas bon, je sais pas. Le deuxième, c'est bon. Et le troisième, 1 et 1. Ok. Enfin, c'est 2 et 2. La hauteur, c'est l'amplitude, on la diminue. Et la largeur, c'est la fréquence. C'est bon. C'est bon là, ça fait quelque chose ou... Faut que je continue. Faut que je continue. Là, c'est bon. Wow. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Toujours pas accès à ça, par contre. Il y a la porte là-bas qui s'est ouverte.